Good morning, allez, Yidan et Nessus, aujourd'hui le Lunishmad, mon Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, Rosette Zohara bat Machlouf, ainsi que l'Irfouat, Sarah bat Betirivka, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masachet Menachot, Perekud Gimel, Mishnah Alef, Ale Alay Isaron, Yavi Echad, Esronim, Yavi Shnaim, Perashti Veeni Yodea Ma Perashti, Yavi Shishim Isaron. הרי עליי מנחה יביא איזו שירצה. רבי יהודה אומר, יביא מנחת הסולת שהיא מיוחדת שבמנחות. On commence aujourd'hui, בעזרת השם, le dernier פרק de מנחות, qui va nous parler longuement de toutes sortes de promesses que l'on fait lorsqu'on fait un vœu de faire un don, puis après on a des problèmes, est-ce qu'on pourra amener quelque chose de plus gros, quelque chose de différent. On a déjà en fait commencé le sujet déjà depuis la fin du pérec précédent. On continue avec à présent quelqu'un qui a dit Aralai Isaron, celui qui a dit que je vais faire une mincha de 1 Isaron. Donc bien évidemment, Yavi Echad, probablement c'est évident, il devrait en apporter 1, t'as dit 1. Si t'as dit Esronim, t'as dit une mincha où je vais apporter des Esronim, plusieurs mesures de Isaron, il n'a pas précisé combien. Et bien dans ce cas-là, il apportera le minimum du pluriel, c'est-à-dire 2. Yavi Shnaim. Pour le moment, c'est de nouveau très clair, très simple, d'accord? C'est une grande règle. On inclut dans ton... On a déjà évoqué le principe que tu ne t'engages que lorsque tu penses à une chose et que tu exprimes. Si tu ne l'exprimes pas, alors tu t'es pas engagé, même si tu avais l'intention de le faire. Donc de ce fait, tu as dit que tu allais donner plein, tu as prononcé le mot esronim, plusieurs isaron, tu n'as pas précisé combien, dans ce cas-là, on a une grande règle, on prend le minimum de ce que ton langage implique. Tafasta mi'uta tafasta. Attrape le minimum toujours. Après, perashti ve'eno yodea ma perashti yave shishim misaron. Là, ça se complique un petit peu. D'abord, je traduis. J'ai explicité combien j'allais apporter. Ve'eno yodea kama perashti. Mais je ne me souviens plus combien j'ai explicité. Sur ça, on lui dit, ben, tu sais quoi? Yavi shishim isaron. Il devra apporter 60 isaron. C'est-à-dire, j'ai eu une occasion que j'ai dit, allez, je vais faire une mincha. J'ai été sauvé et je me suis dit, je vais faire une mincha à Hachem avec tant de Isaron. Je ne sais plus combien j'ai dit. Est-ce que j'ai dit 18, comme la Gematria de Chai? Est-ce que j'ai dit que j'allais en donner, je ne sais pas moi, 26, 52? Toutes sortes de chiffres de Zgoula qu'on a mis un Shem Isot avec, par exemple. Je ne sais plus combien j'ai dit. Eh bien, la Mishnah me dit, bah, tu sais quoi, tu apporteras 60. Ça correspond d'abord à quoi le 60? Alors ça nous rapporte à, je crois, 2-3 Mishnayot en arrière, où on avait appris que, c'est la Mishnah d'Alet, je crois, que on a la possibilité de faire une mincha beaucoup plus grande que le 1 Isaron. C'est-à-dire, chaque mincha, on doit prendre un Isaron solet, mettre un Isaron de semoule. Maintenant, on peut décider d'apporter une mincha qui a 2 Isaron. C'est pas que ça devient 2 mincha. Il faudra tout mettre dans le même ustensile, on fera un seul prélèvement. À la différence que si je fais 2 menachot, je devrais faire chacun dans un ustensile à part et prélever 2 fois le comets. Là, non. J'ai dit que je vais faire une grande mincha de 2. Ou j'ai dit que j'allais faire une mincha de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 10, de 20, de 30, de 40, de 50. Je ne sais plus combien j'ai dit que j'allais faire. Et bien, la Mishnah m'a dit, tu sais quoi? Tu prends l'extrême. Pour rappel, si tu as dit que tu allais faire une mincha de 60 isaron, tu apportes les 60 dans un seul ustensile. Mais si tu as dit de 61 et plus, tu devras l'apporter dans 2 ustensiles différemment, 60 dans l'un et 1 dans l'autre. 60, c'est le maximum à remplir pour faire une seule mincha. Une unité de mincha, elle peut être grande jusqu'à 60 isaron. 60 fois 1 kg 650. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'ami, lui, il a dit qu'il allait faire une grande mincha. Il ne sait plus quel chiffre il a dit. 42, 45, 50, il ne sait plus ce qu'il a dit. On lui dit, tu sais pas, rien de grave. T'apportes le maximum. 60. Voilà ce qu'il y a écrit dans la Mishnah. Comme ça, le Barthénor, il explique. Et comme ça, il y en a qui maintiennent, même d'après la conclusion. Je vous annonce juste un problème technique qui se pose. C'est que si toutefois, il avait dit qu'il allait apporter 25. Alors, tu as dit que tu allais apporter 25. Ah, d'abord, excusez-moi, j'ai oublié un petit détail. D'abord, quand je te dis d'apporter 60, c'est parce que je te dis, tu sais, quand tu as apporté les 60, c'est sûr que tu as inclus le chiffre que tu as dit. Donc tu avais peut-être dit 43, ben c'est pas grave, tu as apporté 43 et tu as fait 17 de supplément en cadeau, il n'y a aucun problème, tu peux faire des dons au Beit Hamikdash supplémentaire. Donc on aura 43 en Chova et 17 en Edava. 43 en dons obligatoires imposés
Et 17, ce sera en supplément de cadeaux que tu as décidé de faire. Pour le moment, ce n'est pas en soi-même problématique. Le problème commence ailleurs. Le problème est qu'on avait déjà vu une notion qu'on a déjà évoquée et qu'on en reparlera beaucoup plus dans la prochaine Mishnah. Donc on attendra d'y arriver en fait. Je crois que ce sera essentiellement la Mishnah Chet. Un petit peu dans la prochaine Mishnah et surtout dans la Mishnah Chet en fait. Que le problème se pose lorsque tu dois apporter une mincha de 40 par exemple. Alors tu dois faire un prélèvement pour 40. Mais si toutefois tu as apporté 60 d'un coup dans un même ustensile, tu vas faire un prélèvement. Alors on a un problème que le kometz que tu vas soulever, par rapport aux 40 que tu devais prélever, tu devais faire un kometz pour 40. Or là, quand tu vas prendre un kometz pour les 60, il s'avère que le tiers de ton kometz, il sera... Tu n'auras apporté que deux tiers du kometz imposé en fait. D'accord ? C'est un problème qui est soulevé, et c'est un problème qui aura des réponses plus tard. De manière générale, la réponse qu'on donnera pour le moment, c'est une réponse un petit peu discutée. Mais en tout cas, c'est simplement de dire que lorsque tu dis que tu as la portée 40, alors tu te dis 40 au minimum 40. Bah après, tu peux compléter jusqu'à 60. Tandis que si tu as décidé d'apporter 40, et que tu as mis les 40 dans un ustensile, par exemple, et après tu décides d'en apporter 20 supplémentaires, là tu n'auras plus le droit d'apporter 20 supplémentaires. D'accord ? On aura l'occasion de reparler plus dans les détails pour le moment. J'aime bien quand on découvre des nouvelles notions, c'est toujours bien de le faire de cette manière, quoi. On jette l'idée sans trop la travailler, on passe à autre chose, et puis après, quand on aura la prochaine Mishnah, vous verrez que les choses vous seront familières, parce qu'on en a parlé déjà aujourd'hui, dans cette Mishnah. Donc, on a fini maintenant. Perashti veni yodéama perashti. Donc, j'ai explicité, mais je ne sais plus combien j'ai explicité. Sur ça, on te dira d'en apporter 60. Aré alai mincha, maintenant. On continue. Quelqu'un qui a fait un don d'apporter une mincha. Yavi ezochir tsema, il apportera celle qu'il voudra. C'est-à-dire, vous rappelez, on avait 5 sortes de menachot. Lorsque je vais apporter ma semoule, je peux faire une mincha de solette que j'apporte pour le moment, sans la travailler, juste je la pétris, sans la faire cuire. Je peux faire une mincha machavat, mincha machreshet, mincha maafé, qui a deux sortes de maafé, soit chalot, soit rikikin. Donc ça me fait 5 sortes de menachot standard, que c'est quand je décide d'apporter une mincha au Beit HaMikdash. Pas parce que c'est le deuxième jour de Pessah ou autre chose. Une mincha classique, j'ai la possibilité de... J'ai 5 options d'apporter un korban, d'apporter une mincha. Soit mincha de solette, donc c'est encore à l'état de pâte. Une fois que j'ai fini le prélèvement, alors je fais cuire la pâte comme je le veux. Soit c'est mincha machreshet, c'est celle qui cuit avec une poêle profonde. Soit mincha machavat avec une poêle plate, donc ça sonne beaucoup plus croustillant. Soit tu le fais au four, et ça dépend parce que là-bas tu auras les chalot et les rikikin. Selon le cas, est-ce qu'il faudra faire une pâte plus grasse ou une pâte moins grasse que tu rajouteras l'huile après cuisson. Alors la Mishnah maintenant, c'est lorsque tu as dit que tu as apporté une mincha, tu as fait un don d'apporter une mincha, tu n'as pas précisé quoi. Et bien Tanakama me dit, ben, tu peux faire ce que tu veux, tu apportes ce que tu veux, l'espèce parmi les 5 que tu préfères. Rabbi Yehuda Omer, il y avait mincha asolet, chez Miyuchedet Sheba Menachot. Rabbi Yehuda m'enseigne qui devra apporter non, nécessairement une minchat solette. La mincha, l'oblation qui fait avec la solette à l'état encore brut, ou ce que tu l'auras fait à l'état de pâte, tu l'auras mélangé à l'huile et tout ça, mais que tu n'auras pas encore fait cuire. Pourquoi ? Parce que Shei Meyuchedet Sheba Menachot, parce qu'elle est littéralement la singulière des Menachot. C'est-à-dire, en fait, le Bartonar il explique. C'est la seule qui s'appelle réellement mincha toute seule. Parce que si tu veux faire une mincha machavat ou mincha machreshet, elle aura toujours un qualificatif supplémentaire pour définir laquelle des mincha. Alors que quand tu dis mincha, ça implique une mincha de la manière la plus brute, à l'état brut possible, et pas travailler dans un sens si c'est cuit au four ou cuit à la poêle. D'accord ? Donc de ce fait, selon Rabbi Yehuda, lorsque tu dis mincha stam, tu dois apporter nécessairement une mincha solet. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.